Bonjour, nous continuons donc les contes de Rabbi Nachman avec le troisième conte à Mechiger, le boiteux. Et donc nous étions arrivés, nous avons déjà fait une première lecture. Nous sommes donc arrivés au moment où le boiteux qui n'est plus boiteux a découvert ses poussières, la poussière des tzadikim, la poussière des fous et la poussière des rechaim. Et comme ça, il a réussi à récupérer donc son trésor et à liquider les bandits qui sont allés en ville, ont fait pénitence, comme on l'a expliqué. Et donc, après cela, il s'arrêta à quelque distance de 2000 montagnes. Il aperçut des myriades et des myriades de familles de démons. En effet, les démons croissent et se multiplient, ont des enfants tout comme les hommes et sont très nombreux. Il aperçut leur souterrain qui était assis sous un trône, leur souverain, excusez-moi, qui était assis sous un trône. Aucun homme né d'une femme ne s'était jamais assis sur un tel trône. L'infirme vit les démons qui se moquaient. Un démon racontait comment il avait mutilé un enfant, un autre racontait comment il avait coupé une main, un autre encore racontait comment il avait coupé un pied et d'autres sortes de farces. L'infirme aperçut ensuite un père et une mère qui pleuraient. On leur demandait « Pourquoi pleurez-vous ?» Ils répondirent qu'ils avaient un fils qui avait l'habitude de partir quelque part et de revenir au bout de quelque temps. Mais aujourd'hui, un grand laps de temps était écoulé et il n'était pas rentré. Le père et la mère furent amenés devant le roi qui ordonna ensuite d'envoyer des émissaires dans le monde entier à la recherche des fils. En revenant de chez le roi, les parents du démon rencontrèrent quelqu'un qui était parti avec leur fils et qui leur demandait « Pourquoi pleurez-vous » Ils lui racontèrent l'histoire, il leur répondit « Je vais vous raconter une histoire. Nous avions une île sur la mer, qui était notre endroit. Le roi à qui l'île appartenait arriva et voulut construire des palais. Il avait déjà posé des fondations et votre fils me proposa d'aller causer du tort au roi. » On parle de démons maintenant, donc bien sûr ce sont les démons, ils veulent aller causer du tort au roi. Nous partîmes donc pour le dépouiller de sa force, donc c'est tout ça l'histoire de démons qui parle. Alors le roi fit venir des docteurs, mais ils ne purent pas l'aider. Le roi fit venir des sorciers. Un des sorciers connaissait la famille de votre fils, mais il ne connaissait pas la mienne, dit le démon. Et par conséquent, il ne pouvait pas me faire de mal. Cependant, il connaissait la famille de mon compagnon, il s'empora de lui et le tortura. Le démon qui avait raconté tout cela fut amené devant le roi des démons, et il répéta son histoire. Le roi déclara « Rendons au roi de l'île sa force !» Le démon dit alors « L'un d'entre nous n'avait pas de force et nous lui avons donné la force du roi de l'île. » Il reprit « Reprenons-lui cette force et rendons-la au roi. » On dit alors au roi des démons que le démon à qui on avait donné la force du roi était devenu un nuage. Le roi des démons ordonna l'ordre de convoquer le nuage et de l'amener. On envoya un messager à la recherche du nuage. Alors l'infirme, qui avait assisté à toute la scène, se dit en route, « Allons voir comment ces gens deviennent des nuages. » Ces démons, en fait, deviennent des nuages. Il suivit le messager et arriva dans la ville où se trouvait le nuage. Il demanda aux habitants, « Pourquoi y a-t-il un nuage au-dessus de la ville ?» Ils répondirent, « En fait, il n'y a jamais eu de nuage au-dessus de la ville. Ce n'est que depuis quelque temps qu'un tel nuage recouvre la ville. » Le messager arriva, appela le nuage et il repartit. L'infirme décida de les suivre pour entendre leur conversation. Il entendit le messager qui demandait « Comment se fait-il que tu sois devenu un nuage ?» Donc c'est les deux démons qui partent ensemble. L'autre lui répondit « Je vais te raconter une histoire. Il était une fois dans un pays, un sage. L'empereur du pays était un grand hérétique et il rendit tout le pays hérétique. » Le sage convoqua tous les gens de sa famille et leur dit « Vous voyez que l'empereur est un grand hérétique et qu'il a rendu tout le pays hérétique ainsi qu'une partie de notre famille. Par conséquent, partons dans le désert afin de conserver notre foi en Dieu, béni soit-il. » Donc tout ça, bien sûr, c'est allusion au Yetzerara. Ce démon-là, c'est le Yetzerara. C'est l'ange du mal, bien sûr, qui essaie toujours de détourner l'homme de son droit chemin. Et bien sûr, cette histoire du sage, c'est le sage, le tzaddik de la génération qui veut préserver
dont le but, la venue de ce monde, est de préserver, bien sûr, les hommes de cet ange, mauvais ange, de ce mauvais penchant du Yetzer Hara. Par conséquent, ce sage a dit, partons dans le désert afin de conserver notre foi en Dieu, béni soit-il. Tout le monde fut d'accord, le sage prononça un nom divin qui les transporta dans un désert. Et ça, ça fait allusion, c'est Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov faisait des Nissim, et donc il pouvait prononcer un nom divin et traverser une fois, il était poursuivi par des bandits, donc il se retrouvait devant une grande rivière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa ceinture, il a prononcé un nom divin et il a traversé la rivière sur la ceinture. Donc c'est les grands sages, les grands tzadikim qui prononcent des noms divins qu'il transporta dans le désert. Le désert ne plut pas aux sages. Alors il prononça un nom divin encore une fois. Ils furent transportés dans un autre désert qui encore ne plut pas aux sages. Il prononça encore un nom qu'il transporta dans un autre désert. Ce désert plut aux sages. Il était à proximité des 2000 montagnes. Le sage entreprit de tracer un cercle autour de lui et de sa famille afin que nul ne pût approcher d'eux. Il y a des histoires aussi. On raconte que Baba Salé, une fois, dans les histoires de Baba Salé, Kadosh, il était écrit qu'une fois le feu a envahi la maison de Baba Salé un Shabbat, et on ne peut pas éteindre le feu le Shabbat, un feu, sauf si bien sûr ça met en danger des vies humaines. Donc le feu était dans la maison le Shabbat, Baba Salé a tracé un trait sur le sol, et le feu n'a pas dépassé ce trait. Et donc ce désert bleu au sage était à proximité des 2000 montagnes. Le sage entreprit de tracer un cercle autour de lui et de sa famille afin que nul ne puisse s'approcher d'eux. Il existe un arbre. Si cet arbre est arrosé, il ne resterait plus rien de nous, donc dit les démons. C'est pourquoi certains d'entre nous creusent continuellement jour et nuit près de l'arbre afin que l'eau n'arrive pas jusqu'à lui. Le messager demanda au nuage, « Pourquoi faut-il être présent là-bas ?» Jour et nuit est creusé. Il suffirait de creuser une seule fois pour empêcher l'eau d'arriver. Donc c'est les démons qui parlent ensemble. L'autre répondit, il y a parmi nous des bavards. Ces bavards vont causer la guerre entre un roi et un autre. Il y a donc des guerres qui ont pour résultat de faire trembler la terre. Et la terre qui est autour des tranchées s'effondre et l'eau peut arriver jusqu'à l'arbre. C'est pourquoi il faut être présent là-bas et creuser en permanence, dit les démons. Lorsque nous nous choisissons un roi, nous faisons les bouffons et nous nous réjouissons. L'un d'entre nous raconte d'un ton moqueur comment il a brutalisé un enfant, comment la mère se lamente. Un autre nous a fait part de quelques farces. Il y a ainsi toutes sortes de farces. Lorsque notre roi est réjoui, il va se promener avec les princes du royaume et il essaie de déraciner l'arbre. En effet, si cet arbre n'existait plus, ce serait tout à notre avantage. Le roi fortifie son cœur afin de pouvoir déraciner l'arbre. Mais lorsqu'il arrive près de l'arbre, ce dernier pousse un grand cri. Alors l'effroi s'empare du roi, il est obligé de rebrousser chemin. Comme on a dit au début des psaumes, heureux l'homme, c'est donc un commentaire de heureux l'homme qui ne pousse point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, il ne prend point dans la société des railleurs, il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Et on est en train de parler de cet arbre. Donc, l'arbre se met à crier et il est poussé d'effroi. C'est bien sûr l'arbre des tzadikim. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la vie. Parce que l'arbre du bien et du mal, bien sûr, c'est le mal a aussi une prise dessus. Par contre, le Etz Achaim, l'arbre de la vie, n'a aucune prise. Le mal n'a aucune prise sur lui. C'est donc l'arbre où sont reliés les grands tzadikim. Un jour, nous eûmes un nouveau roi devant qui nous nous conduisîmes comme des bouffons. Il en fut fort réjoui, donc on voit ici aussi comment le Yetzera, le mauvais penchant, pousse l'homme à se conduire de manière extrêmement futile, de remplir sa vie de futilité. On voit vraiment ici que c'est une des manières dont le Yetzera se manifeste. La futilité et la perte de temps, les tsanout. Un jour, nous eûmes un roi devant qui nous conduisîmes comme des bouffons. Il en fut fort réjoui, son cœur en fut tout revigoré. Il voulut déraciner l'arbre et partit se promener avec les princes. Son cœur était fort, il courut pour déraciner l'arbre.
Lorsqu'il arriva près de l'arbre, ce dernier fit entendre un grand cri, le roi prit peur, recula et entra dans une grande colère. Il regarda autour de lui, aperçut que des gens étaient installés là. C'était le sage et sa famille. Il envoya ces gens s'occuper d'eux, c'est-à-dire les tuer, comme c'était l'habitude des démons. Et donc, bien sûr, là, on a affaire au tzaddik Ador. Alors, on va essayer de comprendre maintenant, à travers ce qui va se passer, quelle est la force du tzaddik, du juste de la génération. Quelle est sa force? Sa force, c'est qu'il est plus fort que l'ange du mal, il est plus fort que le Yetzera. Donc, lui seul peut délivrer, pour ceux qui viennent le voir, peut délivrer les gens du Yetzera, puisque, bien sûr, la poussière des tzaddikim qui rend tzaddik, elle est où, cette poussière? Cette poussière de tzaddikim, elle est tout d'abord, elle est existante autour de la tombe des tzaddikim. Dès qu'on va chez un grand tzaddik, on met le pied sur la poussière du tzaddik et on devient tzaddik. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, chacun son niveau. Mais c'est ça, les kevri tzaddikim. C'est-à-dire qu'on va mettre le pied autour de la tombe et la poussière nous rend tzaddik. Et donc là, c'est pareil. On va voir la force du tzaddik. En les voyant, la famille du sage eut très peur. Alors, les démons qui approchaient, l'ancien, donc le sage, dit à sa famille, « N'ayez pas peur !» Cependant, les démons ne purent pas avancer à cause du cercle qui entourait le sage et sa famille. Le roi des démons envoya d'autres hommes, mais ces derniers ne purent pas s'approcher. Le roi en conçut une grande colère et s'avança en personne, mais il ne put pas s'approcher. Alors, il demanda au sage de le laisser entrer. Le vieillard lui répondit, « Puisque tu me supplies, je vais te laisser entrer. Mais comme il n'est pas convenable qu'un roi aille seul, je te laisserai entrer avec quelqu'un d'autre. » Il fit une ouverture dans le cercle, ils entrèrent et le sage referma le cercle. Le roi demanda au vieillard, donc au sage, « Comment se fait-il que vous soyez installé sur mon territoire ?» Le sage répondit, « Pourquoi est-ce ton territoire ? C'est mon territoire. » Le roi expliqua, « Tu n'as pas peur de moi ?» Et le sage répondit, non. Comme nous dit Rabbi Noah Kadosh, que ce monde est un pont très étroit. Gesher Tsam et Odaïkar, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Noah. Il ne nous dit pas, l'essentiel, c'est de prier, de faire le mitzvot, etc., etc. Étudier. Il dit, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Et donc, le roi reprit, tu n'as pas peur, il lui dit encore une fois de plus. Puis il se mit à grandir démesurément et voulut avaler le sage. Ce dernier dit, « Je n'ai toujours pas peur de toi, mais si je le désire, alors toi tu auras peur de moi. » Et il partit réciter quelques prières, de gros nuages se formèrent, le tonnerre retentit, la foudre tua tous les princes qui étaient venus avec le roi. Il ne resta plus que le roi et son compagnon qui étaient entrés dans le cercle. Le roi supplia le vieillard de faire cesser le tonnerre. Le tonnerre cessa. Le roi dit alors au vieillard, « Puisque tu es de cette sorte d'homme, je vais t'offrir un livre où sont répertoriées toutes les familles de démons. Il y a des maîtres, des noms qui ne connaissent qu'une famille, et encore, ils ne savent pas tout sur cette famille. Mais dans le livre que je vais te donner, sont répertoriées toutes les familles. Elles sont toutes répertoriées pour le bénéfice du roi, même ceux qui naissent sont répertoriés pour le roi. Le roi envoya son compagnon chercher le livre. Il se trouve que le sage avait eu raison de faire entrer le roi avec quelqu'un d'autre, car sinon, qui le roi aurait-il envoyé? L'autre rapporta le livre. Il ouvrit le livre et vit qu'il renfermait la liste des myriades de leur famille. Le roi dit au vieillard, donc au sage, que les démons ne détruiraient jamais personne de sa famille. Puis il ordonna de faire apporter les portraits de tous les membres de la famille du sage. Même si quelqu'un naissait dans sa famille, on devait aussitôt apporter son portrait afin que personne dans la famille du sage ne fût tué. Plus tard, lorsque fut venue la fin de ses jours de ce monde, le sage convoqua ses enfants et leur transmit ses dernières volontés en ces termes. Je vous confie le livre. Vous savez que j'ai le pouvoir de l'utiliser avec sainteté. Cependant, je ne l'ai jamais utilisé, car j'ai confiance en Dieu, béni soit-il. C'est la Emouna, c'est-à-dire qu'en fait, quand le Baal Shem Tov va lui prononcer un nom saint pour traverser la rivière échappée aux brigands, après il s'est repris et a dit,
Il regrettait d'avoir utilisé un nom saint de HaKadosh Baruch Hu. Et la fois suivante, quand il était poursuivi par des brigands, il s'est retrouvé encore une fois devant une rivière, une grande rivière. Il a dit, je vais la traverser sans prononcer le nom. Il a mis sa ceinture sur l'eau et il est parti sans prononcer le nom. Donc il a eu le miracle uniquement par la Emouna. Vous savez que le pouvoir de l'utiliser avec sainteté, donc je ne l'ai jamais utilisé puisqu'ils n'utilisent pas les noms, c'est interdit. Car j'ai confiance en Dieu, béni soit-il, et Emouna. Vous non plus ne l'utilisez pas, mais si l'un d'entre vous peut l'utiliser avec sainteté, qu'il n'en fasse rien. Qu'il ait simplement confiance en Dieu, les Emouna, béni soit-il, et le sage mourut. Le livre se transmit par héritage et arriva dans les mains du petit-fils du sage. Le petit-fils du sage avait le pouvoir de l'utiliser avec sainteté, mais il avait confiance en Dieu, béni soit-il, et ne l'utilisa pas ce livre, donc, ainsi que le sage l'avait voulu. Les bavards qui existaient parmi les démons essayèrent d'influencer le petit-fils du vieillard, étant donné que tes filles sont déjà grandes et que tu n'as pas les moyens de les nourrir et de les marier, utilise le livre. Mais il ne sut pas que le démon essayait de l'influencer. Il pensait que c'était son cœur qui lui parlait ainsi. Il se rendit sur la tombe de son grand-père et dit « Ta dernière volonté fut que l'on ne fît aucun usage de ce livre et qu'on l'on eût seulement confiance en Dieu, seulement la émouna en Dieu, béni soit-il. Aujourd'hui, mon cœur me pousse à utiliser le livre. » Son grand-père, qui était mort, lui répondit, puisque c'était un tzaddik, bien sûr, que les tzaddikim, ils sont plus vivants après leur mort que pendant leur vie. Ils ont le pouvoir de parler, carrément de parler à celui à qui ils veulent parler. Son grand-père, qui était mort, lui répondit, « Bien que tu puisses te servir du livre avec sainteté, mieux vaut avoir confiance en Dieu, la Emouna, béni soit-il, et ne pas se servir de ce livre. Dieu, béni soit-il, t'aidera. » Et il obéit. Et donc, voilà la deuxième partie de ce conte. La prochaine fois, nous terminerons le conte avec les commentaires du Rav Nachman Tcherin sur quelques commentaires sur ce conte.